What's up, c'est Twitter. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Fox Productions pour un nouveau match. Le Eibar contre le FC Barcelone. Alors, j'espère que ça va être un gros match. En tout cas, Eibar sont plutôt solides à domicile, même si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné de match. Ils sont actuellement 8e au classement. J'ai oublié de le préciser, c'est la 28e journée. Oui, Eibar. Il y a 3 matchs qu'ils n'ont plus gagné. Leur dernier match c'était contre l'Evente. Mais faudrait qu'ils gagnent ce match pour revenir un petit peu dans la course à la Ligue Europa. C'est un peu une équipe surprise de cette année en Liga. Alors la compo, Riesgo au goal, André Teji, Pointi, Junca en défense centrale. Et j'ai pas le temps de vous dire le reste, excusez-moi. Je mettrai pas si vous voulez. Bah, le Barça, comme d'habitude, la MSN devant. À la place de Arda, à la place de Rakitic, Arda Turan. Sinon, c'est comme d'habitude pour le FC Barcelone. Allez, c'est parti avec Turan, avec Iniesta. Barcelone qui ont déjà essayé de marquer un but. Avec la MSN, Jordi Alba. Qui passe à Turan. Mais qui n'arrive pas à la reprendre. Kappa, Inouï. Qui n'arrive pas à reprendre la balle. Iniesta avec Messi. Messi qui dribble. Messi qui cherche une solution. Qui va peut-être revenir dans l'axe. Non, il cherche encore une solution. Il centre. Ouh, Iniesta qui a failli marquer le premier but de cette rencontre. C'est dommage. Elle passe comme bien à côté la balle. Iniesta n'est pas vraiment le spécialiste des têtes. Allez, Riesgo qui dégage. Et bah, avec Serge Henrich qui perd la balle. Messi avec Alex Vidal qui joue à la place de Dani Alves. Pointich qui la dégage en touche, qui ne veut pas prendre de risque. Messi à la touche. Messi qui va essayer de centrer et la balle sort. Messi qui a beaucoup de mal à se trouver des espaces dans la défense de Eibar. Et Eibar n'arrive pas à ressortir. Sergio avec Neymar. Neymar qui cherche une solution, qui repasse par derrière avec Mascherano. Mascherano sur Alex Vidal. Alex Vidal avec Turan. Turan qui la passe à Messi. Messi qui la repasse avec Alex Vidal. Vidal qui la repasse sur Messi avec le 1-2. Le centre de Messi. Mais c'est repoussé par un défenseur de Eibar. Corner d'Arda Turan. Qui ne trouve pas preneur. Messi qui va peut-être tirer. Non. Si, peut-être. Messi qui aurait dû peut-être tirer. Qui l'a passé à Arda Turan qui centre. Et le but! Goal! De Gérard Piqué à 0 pour le FC Barcelone sur ce centre de Turan et cette magnifique tête de Gérard Piqué. 1-0 pour le FC Barcelone qui serait à 72 points s'il gagnerait ce match. Magnifique tête de Piqué. Le Real qui est invaincu depuis environ 35 matchs, il me semble. Ce qui est vraiment énorme. 35 matchs sans perdre. Alors, Eibar maintenant va devoir faire le plus dur pour réussir à marquer face à, pour ce qui est moi, la meilleure équipe du monde actuellement, le FC Barcelone. Avec leur trio d'enfer, la MSN. Serge Henrich qui va essayer de tirer, non. Jordi Alba qui la redégage en touche sans prendre de risque. On va voir cette magnifique tête de Piqué. Le gardien ne peut strictement rien faire. Kappa avec Dani Garcia qui repasse en arrière avec Inouï qui cherche une solution, qui centre sur Borja Baston, le joueur prêté par l'Atlético Madrid, et ça tombe dans les bras de Claudio Bravo. Sergio avec Iniesta qui repasse vers Arda Turan sur Messi. Arda Turan, Messi, ça combine bien de ce côté. Turan avec Jordi Alba qui a été délaissé. Iniesta avec Suarez
Suarez avec Messi qui repasse encore par Arda Turan. Arda Turan encore par Alba. Ça tourne bien du côté du FC Barcelone. Iniesta, la petite roulette, le centre qui est capté par Riesgo. Qui dégage. Et Bar qui n'arrive pas à avoir le ballon. Alors, il profite de la petite erreur de Suarez, il me semble. Et voilà, il n'arrive pas à ressortir encore une fois. Neymar avec Iniesta. Inouï qui repasse avec Escalante. Voilà le Barça qui n'arrive pas à se créer d'occasion. Eibar, pardon, excusez-moi. Suarez avec Neymar. Neymar, le Brésilien qui la passe sur l'Espagnol Jordi Alba, qui repasse vers Iniesta. Iniesta qui la passe à Suarez. Suarez qui va peut-être marquer le deuxième but! Go! Golazo! De Luis Suarez. Magnifique frappe, pied gauche. Le gardien ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Vu comment ça part, ils vont peut-être se prendre la manita par le FC Barcelone. Eibar, magnifique frappe de Suarez. Le gardien Riesgo ne peut rien faire. Magnifique. Voilà la MSN, voilà. Suarez, 33e minute, qui vient inscrire le deuxième but de la rencontre, qui pour l'instant permet au Barça d'avoir 72 points en 28 journées, ce qui est vraiment pas mal. Alors Eibar maintenant, ça va être très très difficile pour eux de revenir au score, qui ont vraiment beaucoup de mal à se créer des occasions. Piqué avec Sergio Busquets, qui repasse par Jordi Alba. Alba avec Neymar, Iniesta. Iniesta qui repasse avec Neymar qui va peut-être centrer le centre, et Messi qui la reprend la tête. C'est pas passé loin. Ah, Messi qui fait des têtes, ça rigole plus là. Le petit Messi qui vient mettre sa tête devant un défenseur qui fait presque 2 mètres. C'est assez ironique comme situation. Donc balle Barça encore une fois qui récupère sans grande difficulté. Messi qui a la balle, qui la passe vers Andrés Iniesta avec Jordi Alba, qui repasse vers Iniesta, Iniesta avec Messi. Messi qui n'arrive pas à prendre la balle, Touran qui la récupère et non. Et Bar qui revient petit à petit dans cette rencontre avec Sadio Henrich. Escalante qui centre vers Borja Bastón. Eibar, le tir et le premier corner pour Eibar qui va être tiré par Inouï. Inouï qui centre dans le taoul. C'est repoussé. Sadio Henrich qui va remettre sur Pantic qui perd ce ballon. Messi avec Touran. Et voilà, fin de cette première mi-temps largement dominée par Barcelone. Avec un but de Gérard Piqué et un autre but de Luis Suarez. Magnifique du pied gauche de Suarez. On va voir les actions. La petite tête ratée d'Iniesta. Voilà. Avec un beau centre de Arda Turan. Et là, le magnifique but de Gérard Piqué qui vient mettre sa tête. Là, l'arrêt de Bravo sur la tête de Borja Bastón. Qui n'était pas très dangereuse. Là, la magnifique frappe pied gauche de Suarez et la petite tête de Messi. Donc, avantage logique au FC Barcelone avec ses 2-0. 63% de possession. Voilà. Quel tir de cadré pour le Barça, de cadré, de but. C'est vraiment. Voilà, rien à dire. 63% de possession. Il domine largement, comme en vrai, j'ai envie de dire. Et voilà, un corner partout. Un match dominé par le FC Barcelone sans grande difficulté pour l'instant. Et voilà, normalement, on va passer à cette deuxième période. Donc c'est reparti avec l'engagement Eibar, Borja Bastón avec Dani Garcia. C'est reparti. Inouï avec Borja Bastón. Avec Inouï qui repasse sur Dani Garcia, Sergi Henrich qui va peut-être. Non, oula!
Oula, du coup, Eibar qui va peut-être réussir. Oh, le poteau! Eibar qui aura pu profiter d'un manque de communication entre les deux défenseurs du FC Barcelone qui sont entrés dedans. Mais malheureusement, ça finit sur le poteau. Jordi Alba avec Neymar. Neymar qui va dribbler comme à son habitude. Qui repasse en arrière vers Iniesta. Jordi Alba. Jordi Alba avec Touran. Arda Touran qui va peut-être tirer et tire. Ouh là 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 là. Le Turc, l'ancien Colchoneros qui a failli mettre le troisième but de cette rencontre. Mais ça passe derrière les buts de Reyes Go. Heureusement pour le SD Eibar. Reyes Go qui dégage. Le Barça, encore une fois, qui récupère direct derrière Iniesta avec Neymar. Iniesta, Neymar, encore une fois. Suarez, Sergio. Sergio qui veut la passer à Messi, mais c'est récupéré par le SD Eibar. Borja Baston. Qui la passe à Inui, du coup. Eibar qui n'arrive vraiment pas à ressortir et à se créer des occasions. Faudrait qu'il mette un petit coup d'accélérateur. Car pour l'instant, ils repartent avec 0 points. Et ça à domicile. Neymar. Qui dribble un petit peu avec Suarez. Qui repasse vers Mascherano. Mascherano avec Neymar. C'est un peu long. Même trop long. Adrien Gonzalez qui rentre à la place d'Escalente. Et Touran qui rentre à la place de Rakitic. Qui sort à la place de Rakitic. Donc ça partit Rakitic. C'est son premier ballon. Messi avec Alex Vidal. Alex Vidal avec Messi. Messi qui va dribbler Anzotegi. Qui repasse derrière avec Alex Vidal qui centre avec Rakitic. La tête pour Suarez. C'est bien joué. Oh le poteau. Ouh. On est passé tout près de ce troisième but. Pour le FC Barcelone, Kappa qui laisse sa place à Rajkovic. Neymar au centre. Sur la tête de Sergio! Quel sauvetage d'Inoui! Quel sauvetage magnifique d'Inoui sur cette tête de Sergio Busquets. Busquets qui repart avec Rakitic. Rakitic qui veut la remettre derrière mais n'y arrive pas. C'est récupéré par Enrich qui la passe à Baston qui essaie de la repasser à Enrich mais il n'a pas réussi. Jordi Alba avec Piqué. Et c'est loupé dans les gants de Riesgo. Yesgo qui repasse à Kadrovic. Avec Inouï. Sergio Henrich. Attention, Barça qui ont peut-être. Eibar qui ont peut-être perdre ce ballon, non. Oula. Des fois, il y a des petits à-coups. C'est un bug de l'enregistreur. J'en suis désolé. Donc, ça repasse derrière avec Piqué. Sergio Busquets. Qui agite pas mal les rumeurs. Beaucoup le voient à City, au Paris Saint-Germain aussi. Mais pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Il n'y a rien de confirmé. Denis Garcia qui a peut-être tête à tête. Ajrovic qui devrait tirer. Et tire! Quel arrêt de Claudio Bravo! Et le tir, encore une fois, mais c'est raté. Et Eibar finalement, qui n'arrive pas à marquer son but. Donc, c'est vraiment dommage. Iniesta qui va laisser sa place à Sergio Roberto, le jeune espagnol. Inouï, qui va faire son petit corner qui centre. Oh là là, c'est largement loupé. Les Barcelonais qui ont préféré la remettre en corner. Inouï, c'est mieux fait cette fois-ci. Oh là 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 là. Et ben, non, vraiment pas de chance, ça passe à deux doigts des filets cette fois-ci. Inouï qui va retenter une fois sa chance avec Anzotegi. Oula, qu'est-ce que c'est que ce but? Il y a eu un petit cafouillage dans la surface. Mais c'est un but quand même pour le Eibar. But de Dani Garcia qui vient réduire le score. Donc, voilà, c'est reparti. Peut-être qu'ils vont réussir à égaliser. Pantic. Avec Anzotegi. Anzotegi qui cherche une solution. Et voilà, qui s'est piqué la balle par Suarez.
Neymar qui se fait piquer la balle lui aussi. Faire face avec Mascherano, Jordi Alba. Je vais la remettre sur Mascherano, Rakitic, avec Sergio Busquets. Sergio Busquets avec Suarez. Suarez peut-être pour le doubler. Le tir magnifique, carré de Riesgo. Magnifique arrêt de Riesgo sur cette frappe de Suarez. Il a eu le bon réflexe. Neymar qui va venir faire son corner et qui préfère le jouer court avec Sergio Roberto. Qui la repasse sur Neymar. Neymar qui dribble. Neymar qui centre sur Suarez et la bonne sortie de Riesgo, c'est magnifique. En tout ils auraient pu faire une belle contre-attaque. Et bah, mais c'est pas réussi. Rakitic qui la passe sur Suarez. Suarez qui tire! Golasso de Luis Suarez qui vient mettre son troisième, le troisième but du FC Barcelone et son doublé. Voilà, Luis Suarez, incontestablement le meilleur numéro 9 du monde, je pense. Certains vont me dire que c'est Lewandowski. Pour moi, ça reste Suarez quand même. Voilà, magnifique but de Luis Suarez. 3-1, excusez-moi, j'ai dit 3-0, c'est pour le 3-1 que Suarez a marqué. Donc c'est fini, et Eibar ne reviendront plus au score, à moins d'un miracle. Donc 3-1 pour le FC Barcelone. Neymar qui cherche une solution, qui le repasse avec Suarez. Suarez avec Rakitic, peut-être un quatrième but du Barça. Messi qui la repasse sur Sergio Busquets. Busquets avec Messi. Messi encore avec Busquets. Rakitic avec Sergio Roberto. Rakitic, le tir! Oh, le poteau de Rakitic, c'était magnifique. Magnifique poteau de Rakitic. Et ce tir sur le poteau vient déclarer la fin du match avec un but de Piqué et un doublé de Suarez du côté du FC Barcelone et un but de Dani Garcia du côté de Eibar. C'est un match largement dominé par le FC Barcelone. Voilà, taille de Messi à côté de Piqué. Donc voilà, magnifique. Enfin, c'était un assez bon match. Il y a eu 4 buts. C'est pas le meilleur match que j'ai fait, mais c'est un bon match quand même. Donc voilà. On va revoir les actions. Voilà, la tête ratée de Nesta encore une fois. L'ouverture du score de Gerard Piqué sur cette tête qui passe sous le montant. Et là, le premier but de Luis Suarez, magnifique, pied gauche. Cette tête ratée de Lionel Messi et Tourane qui aurait pu marquer un but lui aussi. Là, le poteau de Luis Suarez. Il aurait pu en mettre 3, Suarez. Hein. Il aurait pu faire le petit triplé. Là, le but un peu... je sais même pas comment expliquer. Le but un peu bordélique de Dani Garcia. Et là, le doublé de Suarez qui vient interrompre les espoirs de Eibar. Et une magnifique photo de Rakitic là. Qui méritait d'aller au fond. Donc voilà, après, on va voir les statistiques. Voilà, Barça, 10 tirs, 6 cadrés. Eibar, 7 tirs, 4 cadrés. Mais le Barça avait 63% de possession. Avantage logique au FC Barcelone qui a largement mérité cette victoire. Donc c'était Twizy de Fox Production. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et ciao à tous, c'était Twizy.